Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je change de décor, aujourd'hui je suis dehors. J'aurais voulu mettre l'autre côté, mais bon avec le soleil, déjà que là, aujourd'hui j'ai froncé des yeux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un mini haul. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça haul dans le titre de ma vidéo, parce que bon, c'est quelques petites trouvailles que j'ai fait. Franchement, vous allez voir que la vidéo va être très 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 courte. Donc, mais je voulais vous montrer des petites nouveautés que j'ai trouvées à Action ce matin. Donc on va commencer je pense par Action et après à Noz et après j'ai fait un petit craquage à Cultura ce matin et donc du coup voilà. Alors je sais pas ce qu'il me met. Affranchissez-vous votre mot de passe. Bon je sais pas pourquoi il me met ça, mon PC bug en ce moment. Alors petite nouveauté à Action, donc moi j'ai pris la petite licorne, voilà comme ceci. Donc je les avais pas vus la dernière fois. Donc c'est des cartes, je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est autocollant. Donc on effet l'autocollant. Et là, donc d'habitude c'est avec du sable. Et là c'est avec des petites paillettes en fait. Donc vous mettez les paillettes là où il y a les couleurs qu'il faut. Donc le bleu sur le bleu. Le doré ça va être sur le jaune je pense. Et bah, le rose sur le rose. Donc moi j'ai pris des licornes et j'ai hésité aussi, il y avait des petites chouettes, elles étaient trop mignonnes, franchement elles étaient trop belles. Alors j'ai dit déjà on va tester avec la licorne, voir si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, je prendrai la petite chouette, franchement j'avais craqué dessus. Mais bon, je voulais déjà qu'on teste celle-ci. Et donc ça j'ai payé ça dans les 59 centimes, je crois, ou 69 centimes, donc vraiment c'est pas cher. Donc à tester d'abord. Et si franchement c'est bien, bon, moi, je prendrais la petite chouette. Elle était trop mignonne, elle était bien ronde, avec le petit cœur et tout, vraiment c'était trop chou. Donc voilà, donc ça j'en ai pris deux, parce qu'il y en aura un pour un envoi, pour offrir. Et donc là, en nouveauté Action, j'ai trouvé ces nouveaux washi comme ceci. Voilà, alors on a deux rouleaux de washi qui sont quand même vraiment épais, comme ça. Alors c'est des rubans autocollants. Feuille à marquer derrière tout simplement. Voilà, donc là on a trois feuilles, mais c'est en tissu en fait hein. C'est pas comme le washi normal, donc ça change un peu. Donc j'ai pris celui-là avec les petits poissons là pour cet été, et j'aimais bien voilà le blanc avec les petits traits comme ça, c'est tout simple, ça peut passer dans n'importe quelle création. Et l'autre j'ai pris celui-là. Alors le cœur j'affectionne pas tellement, mais j'aimais bien en fait. Je sais pas si vous allez voir le rose là. Voilà. Donc ça c'est 89 centimes. Alors moi il n'y avait que trois modèles. Il y avait ces deux-là et un autre. Il était bleu nuit avec des étoiles et tout. Je n'aimais pas trop. Alors peut-être qu'il existe d'autres modèles. Mais moi j'en avais que trois pour le moment dans mon action. Donc 89 centimes. Franchement, ben, je pense que ça vaut le coup parce que vu. Il n'y a pas écrit le nombre de. Alors, donc 350 cm, donc il y a 3,50 m là-dedans. Donc franchement, ça va pour 89 centimes. On a deux rouleaux et après on a pas 10. Il marque 10 fois 10. Donc voilà, on a que, par contre, on a que trois feuilles comme ça. Mais ça peut être sympa, on va essayer de faire une carte avec justement juste le carré là et on essaiera ça. Donc voilà, les nouveautés Action que j'ai trouvées aujourd'hui. Après j'ai repris des petits strass, mais je vous montre pas les trucs habituels, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour découper, je vais vous faire une vidéo dans votre boîte aux lettres. Là toute la matinée, tous les matins, enfin là, je suis l'après-midi, je vais faire vos courriers de remerciement, tout ça. Donc là j'ai imprimé. Je crois que je vais avoir une vingtaine de timbres, donc vous allez surveiller votre boîte aux lettres et je vais vous faire dans votre boîte aux lettres, mais je vous montrerai pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vous montrerai les courriers qui vont partir cette semaine. Voilà. Alors, on va passer à Noz. Donc, je les avais vus sur la chaîne de Greg, de mon chouchou, et je les ai trouvés, j'étais pire que Ross. Donc, c'est deux petits cahiers, ça rien, hein, c'est pas. Mais regardez-moi comment ils sont trop choux, quoi. Avec un petit boubou dessus. Donc bon, c'est pas la couleur d'Ishka, mais bon, il est trop mignon, j'adore. Et j'ai payé donc le cahier 30 centimes. Donc c'est des cahiers basiques lignés comme ça. Et même là, vous voyez à l'intérieur, donc celui-ci il est comme ça. Donc un cahier basique aligné. Et donc là, il est comme ça de ce côté. Et donc le gris, quand on l'ouvre,
Pareil, il a la même couverture en fait à l'intérieur et pareil à l'extérieur. Mais voilà, je les ai trouvés trop choupinous. Je me dis pour 30 centimes, de toute façon, c'est même pas le prix d'un limite d'un cahier à Carrefour. Puis les... Voilà, mais je pense que il était pas cher parce que la marge elle est à droite au lieu d'être elle est à gauche d'un côté et à droite de l'autre. On s'en fout. Pour écrire des choses, franchement, voilà. Et puis derrière, avec la petite patte de chien comme ça, franchement, c'est trop rigolo. Donc voilà ce que j'ai trouvé à Noz. Ensuite, à Noz, j'ai trouvé des petits embellissements en bois, comme ça. Alors là, il y a des petites tasses à café, des petits cœurs, des petites maisons et des petites théières. Je trouvais ça trop mignon. Voilà, pour faire un style vintage, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris cela. Et j'ai pris. Ça est de même. J'en avais pris d'autres. Donc ça, c'est 99 centimes. Il me semblait que j'avais pris un autre. Ah, attendez, je vais voir. Je crois que. Là, j'avais pris deux pareils pour un échange. Bon voilà, bon, je sais pas ce que j'en ai fait, donc ou alors j'ai pris les deux mêmes, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je voulais en donner dans des voilà, dans des envois, je trouve qu'ils sont mignons. Donc, c'est du Artemio pour 99 centimes. Franchement, ça vaut le coup. Dedans, on en a 6 de chaque, ouais, 6 de chaque. Donc, voilà, voilà ce que j'ai trouvé à Noz. Après, j'ai trouvé, j'étais super contente. Le fameux livre Gorgeous. Voilà, donc 2,99 €. Par contre, je n'ai pas trouvé les cartes. J'étais dégoûtée. Ils n'avaient pas les cartes chez moi. Mais alors, le livre, il est juste magnifique. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les pages. Allez voir la vidéo de Anso. Oups, elle a fait en fait une vidéo juste sur le cahier et sur les cartes. Parce que là, si je vous montre toutes les pages, ça va durer 1 heure. Mais le cahier, il est juste, voilà, magnifique. Voilà. Regardez. Il est vraiment, franchement, il est vraiment très, très beau, quoi. Pour 3 euros. Et après, j'étais dégoûtée parce que j'aurais voulu les cartes pour pouvoir faire un album avec les cartes. Et je les ai pas trouvées. Tant pis pour moi. On peut pas tout avoir. Déjà, j'ai réussi à trouver le livre. Voilà, je vous montre quelques pages au hasard, hein. Voilà, pour vous montrer comment il est. Vraiment, il est. Donc, on a même en fait un marque-page comme ça en ruban. Vous voyez les photos, tout est vraiment. Il est juste magnifique, quoi. Vraiment très très beau. Voilà. Donc, j'ai trouvé le petit cahier Gorgeous. J'étais super contente. Après, donc, j'ai pas ouvert. J'attendais d'être avec vous. J'ai trouvé ça. Donc vous savez, moi il est planeur et tout ça. Et donc là, c'était 3,99 €. Et donc, c'est un genre d'appui planeur. Donc il y en avait un plus grand qui était plus cher, mais non, ça ne me disait pas. Du coup, j'en ai pris un comme ça. Donc on va l'ouvrir ensemble, voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça se présente. Puisque vu que tout est écrit en anglais et Betty et l'anglais, ça fait deux. Donc apparemment on a 133 stickers, on a 24 pages de notes, on a 48 pages avec des leurres, avec leurre dessus, n'importe quoi. J'arrive plus à pareil. Ça va être dur cet après-midi pour le boulot, je vous le dis. Ishka, oh là là, elle court après les oiseaux. Alors, ah oui d'accord. Alors, donc en fait. Ah ouais, mais il n'y a pas les anneaux. Oui. Donc c'est juste vraiment accessoire, quoi. Parce que moi, je pensais qu'il allait avoir les anneaux, là. Ils n'y sont pas. Donc celle qui n'a pas les anneaux. Oui, ils auraient pu au moins mettre les anneaux. Donc, si vous n'avez pas les anneaux des happy planners, eh bien, ben l'achetez pas. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Donc, dedans, on a trois petits rouleaux de washi, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. On a des petites flèches, des petits cœurs et des petits traits. Après, donc, on a des stickers comme ceci à l'intérieur. Voilà.
Et après, donc, nous avons les pages donc, du planeur avec des sticky notes. Donc, c'est vraiment super sympa. Mais le problème, c'est que là, bah, si on n'a pas les anneaux pour fermer, on ne peut pas créer notre planeur à moins de le mettre dans un classeur aussi. On peut essayer de le caser dans un classeur, hein, trouver un classeur et le mettre dans un classeur. Si, on peut le faire dans un classeur aussi. Gagné. On fera une revue là-dessus. Je vous dirai comment je m'en suis servi. Bon, après, ça coûte que 4 euros, vous allez me dire, c'est pas cher. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu au moins nous mettre les anneaux. Vous voyez, j'aurais pensé qu'il y allait au moins avoir les anneaux à l'intérieur. L'autre, en fait, elle était plus chère parce qu'il y avait les anneaux. C'est ça. Vous en avez un sinon à 6,99 qui est plus grand et dedans vous avez les anneaux. Donc c'est pour ça. Mais bon, vous avez 3 euros d'écart juste pour des anneaux. Donc à voir si on ne peut pas le mettre dans un classeur et se faire un petit planeur avec ça. On fera ça ensemble. Après, pour le prix, voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est tout pour Noz. Vous voyez, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. C'est pas non plus voilà la joie. Et je suis à la culture à voir ce qu'ils avaient en solde, s'ils avaient remis des trucs, on sait jamais. Et donc j'ai rien pris. Par contre, en ce moment, si vous allez à la Cultura, sur certains trucs Toga, mais c'est pas des trucs qui m'intéressaient. Moi, forcément, ce que j'ai pris, c'était pas en promo. Mais vous avez 2 articles Toga achetés et un offert. Donc 2 plus 1, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas. Enfin, moi j'aurais voulu trouver des trucs vintage ou des machins comme ça, et en fait, ben, il n'y avait pas. Mais après, en sortant, j'ai vu un truc, ça m'a flashé, voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai craqué. Donc c'était quand même assez cher. Enfin, assez cher, oui, pour moi, presque 5 euros. Donc voilà, il n'y en a que 23 à l'intérieur. Donc c'est des die cuts avec des licornes. Mais voilà, je les ai trouvés super mignons, des petits bonbons, des petits arcs-en-ciel et tout ça. Donc j'ai pris ça pour faire un album. Voilà, je vais faire un album avec ça. Ils sont vraiment super choux, quoi. Vraiment, quand on voit le nuage là, tout ça, c'est vraiment. Voilà, j'ai craqué. Il fallait pas, mais j'ai craqué. Et après, je les avais déjà vus la dernière fois. Donc les petits lamas, comme ça aussi, de chez Toga. Donc j'ai pas pris la grosse poche à 5 euros. J'ai pris la petite, enfin sachet quoi, le petit sachet. Là, il y en a déjà 43 à l'intérieur. Donc c'est quand même moins cher que les licornes. Et l'autre, il y en avait un paquet quoi. La poche a été blindée, mais j'en ai pas besoin d'autant. Et donc on a tout ça à l'intérieur, voilà, avec les petits lamas. Je trouvais ça trop mignon pour l'été. Donc voilà, je vais faire pareil, un petit album. Je sais à qui je vais l'envoyer. Voilà, un petit album été avec des petits lamas. Voilà, j'ai trouvé ça assez mignon. Et puis j'ai encore des petits lamas de chez Action qu'ils ont fait, tout ça que je pourrais mettre sûrement avec. Donc voilà. Donc en prévision donc de deux albums, Lama et Licorne, à faire. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. On va dire, c'est pas un haul, hein, c'est vraiment des petites trouvailles que j'ai faites ces derniers jours. Parce que voilà, j'achète rien, j'ai besoin de rien en vrai. Même ça, hein, c'est juste parce que j'ai craqué. Je les ai pris et j'ai fait le tour quand même du magasin. J'ai réfléchi et tout. Même ceux-là, j'avais dans la main, j'ai allé. On se fait un petit peu plaisir pour une fois, puis ça change un peu, puis ça reste du toga. Et à travailler, ben ça changera, ça sera un peu plus sympa. Voilà, et ben sur ce, la team, je vais vous laisser. Je vais vous reprendre dans pas longtemps, si j'ai le temps avant le boulot, parce que j'ai du courrier à ouvrir avec vous. Voilà, donc je vais faire une petite ouverture de courrier. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard et profitez. Pour celles qui sont en vacances, ben, bonnes vacances. Salut, salut, ciao!